J'espère que vous allez bien et que vous passez un bon mercredi. Moi, comme vous avez pu voir, je suis hyper dégonflée et le retour s'est hyper bien passé. Mais un peu deg parce que du coup, je suis un peu en quarantaine en ce moment. Vu que je suis pas vaccinée, du coup, je dois rester en quarantaine. Donc, j'en ai profité pour faire mon petit ménage à la maison, mon petit rangement. Voilà, au moins, ça, c'est fait. Hier, j'ai fait quand même deux tests, d'accord. Enfin, j'ai fait hier mon test quand je suis arrivée de l'aéroport et quand je suis partie. Donc, qui ont été négatifs, bien sûr, je vais très bien. Mais un peu deg de savoir qu'en gros, j'étais dans le même vol que certaines personnes qui étaient vaccinées. Attention, sans critique ou quoi que ce soit. Mais de ce que j'ai pu comprendre, des gens vaccinés peuvent quand même tomber malades et attraper le Covid. Et eux, ces gens-là, quand même, se baladent librement. Donc, les gens qui ne sont pas vaccinés comme moi, en gros, doivent se retrouver en quarantaine de 10 jours. Et en gros, j'ai quand même un créneau horaire pour pouvoir sortir le matin. Et ensuite, en gros, je dois rester chez moi. Mais pendant 10 jours. Et ensuite, faire un test dans 9 jours. Et ensuite, dans 7 jours après mes 9 jours, je dois faire un test encore. Donc, je ne vois pas la logique. Moi, personnellement, je ne vois pas la logique. Le sourire, mais je vous le dis, ça me fait hyper chier. Je vous jure, ça me fait hyper chier de rester chez moi, même si j'étais contente de rentrer chez moi puisque ça m'avait grave manqué. Je vous avoue, 9 jours en Turquie, c'était hyper long. J'avais hâte d'avoir mon petit coucouni. Et là, je crois que mon destin a fait que il fallait que je reste chez moi, quoi, parce que j'ai des choses à faire. De toute façon, on a toujours des choses à faire chez soi. Et là, je vous le dis, pour me déstresser, je me suis tapé un bon ménage. J'ai mis 4 heures ce matin. Donc voilà, plus la lessive, tu connais. Mais voilà, en tout cas, l'expérience en Turquie était super bien. Tout le monde va bien, nous sommes super tous bien rentrés. Et voilà, il y avait juste cette petite parenthèse du coup que je voulais partager avec vous. Mais voilà, donc je regarde un peu la nature de l'extérieur. Hein. Voilà, bon, désolé, ça se voit pas. Mais on s'est compris. J'étais beaucoup stressée, qui prenait beaucoup de choses à cœur. On m'a conseillé de faire de la respiration et de la méditation, ce que j'ai appris à faire ces derniers temps. Et je vous avoue que ça m'a fait un bien fou. Et ce matin, je me suis fait de la respiration pour les énergies, en gros, pour me donner du peps. Voilà, parce que je pensais que c'était juste pour se détendre, s'apaiser avant de dormir ou quand on est angoissé, comme moi, voilà. Et quand on a de l'anxiété, comme moi aussi. Et pour le coup, là, j'en ai fait une pour récupérer de l'énergie ce matin, avoir la pêche. Donc, je vous avoue que ça m'a hyper bien boosté et j'avais envie de vous le partager aussi. Donc, pour celles qui connaissent bien, n'hésitez pas si vous avez des conseils ou des applis à me proposer pour plus expérimenter. Le pack de lit que j'ai commandé pour ma chambre d'amis, enfin, pour la chambre d'amis qu'on est en train de faire. Et le thème, c'est Marrakech. Mais on ne va pas faire une chambre d'amis comme les autres. On va vraiment faire une chambre d'amis où tu chilles, tu te sens bien. Donc, on a commencé un petit peu la déco. Il reste à faire les installations de lit, enfin, literie, tout ça. Donc, voilà, j'ai choisi ce type de matelas. Donc, Emma Matelas, que je pense que beaucoup de personnes connaissent. Quoi, ce petit bibou d'amour? Mais c'est quoi, ce petit bibou d'amour? Hein? T'es fatigué? T'es fatigué? Hein? T'es fatigué? Oui, tu veux des câlins, les papouilles. Tu veux des câlins, les papouilles. Petit bibou d'amour. Petit bibou d'amour. C'est quoi cette beauté? C'est quoi cette beauté? Hein? Mon petit bibou d'amour. Il m'a trop manqué. Il m'a trop, trop manqué, le petit cœur. Tu m'as manqué. Tu m'as manqué. Je t'ai manqué ou pas? Oui? Je t'ai manqué. Hein? Bisous. Bisous. Ah bon, tu me fais pas de bisous. D'accord. Ah oui, oui. Je t'aime moi aussi. That my best friend, she a real bad b- got her own money. She don't need no n- on it. Come on. Let me speak. Oh, yeah. Coming through big major league. Yes, in a hoodie, proud of me.
Please pop your bags.